Bon les frères, vous l'avez compris, aujourd'hui on va voir le Kosovo. Yo, c'est Granit et je vais vous expliquer pourquoi au restaurant 15 fois par jour on commande café Verdo, cousin. Du coup, on est avec Granit qui est suisse d'origine kosovare. Tu te sens quoi toi aujourd'hui, Granit? Pendant de très longues années, tu vois, je me suis senti comme kosovare uniquement. Tu vois. La première fois que je suis arrivé à l'armée, le premier jour, il y a un mec qui m'a demandé, il m'a dit, t'es quoi toi? T'es vaudois? Puis je lui ai dit, ouais, je suis vaudois. Et il m'a répondu, personne n'est parfait, tu vois. Moi, ça m'a valorisé. C'est la première fois qu'on me considérait comme un vrai suisse, tu vois. Un suisse, c'est un vaudois. Il est long, il est bunaire, et puis il parle comme ça. La culture kosovare, elle a quelle place dans ta vie de tous les jours? Au sein de la famille, moi je le ressens parce qu'on garde quand même cette tradition. T'as grandi avec cette culture de toute exactement, façon. Exactement, ouais. Puis dans mon cercle d'amis aussi. C'est quoi le truc le plus suisse chez toi? Tu vois les vidéos sur YouTube? Ouais. Bah tu peux mettre ignorer le truc. Bah, moi je la regarde jusqu'au bout, frère, la pub. Snapchat, Messenger, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Snapchat, Instagram. Ferme-la! Du coup, le côté le plus kosovare, c'est quoi? C'est dur à dire, le côté le plus kosovare. Je roule vite en bagnole. Et les Kosovars au Kosovo, comment ils perçoivent les Kosovars qui sont venus en Suisse? Personnellement, ils me considèrent vraiment comme un des leurs, tu okay. vois. Après, je sais qu'il y a toujours le cliché du Suisse qui débarque là-bas avec sa grosse bagnole, etc. Et aujourd'hui, ça s'est uniformisé, donc au final, je pense que les deux sont assez complémentaires. Il n'y a qu'à voir l'équipe de foot, hein. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Albanais du Kosovo? En fait, la question, elle est assez complexe, tu vois, mais on pourrait la résumer en quelques mots. La conception de la nationalité et de l'ethnicité, elle est complètement différente en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest, parce que les territoires étaient occupés par deux gros empires, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. À la chute de ces deux empires, les frontières ont été redessinées un peu en fonction des intérêts des grosses puissances, alors que le peuple albanais, lui, vivait déjà depuis des millénaires sur ce territoire. Et puis voilà, quand les frontières ont été retracées, bah, ils se sont retrouvés dans plusieurs pays, typiquement la Macédoine, l'Albanie, actuel, le Kosovo, etc. Donc c'est pour ça qu'on garde malgré tout le rattachement ethnique. Tu te considères plus comme étant un Kosovar ou un Albanais du Kosovo aujourd'hui? Moi je me considère comme un Suisse, frère. Pourquoi t'as décidé de nous présenter Kadri aujourd'hui? Un très grand monsieur parce qu'il s'est investi beaucoup pour la cause des Suisses d'origine albanaise. Kadri, comment s'est passé pour vous l'arrivée en Suisse? Mes cousins sont venus en 1978. Moi j'avais fini mon école de secondaire et j'avais besoin aussi de travailler. Mmh. Moi je suis venu en 1982 en Suisse pour travailler. Vous avez fait quoi comme travail? Au début je fais le sablage, qui c'est un métier très dur. Après le sablage, j'ai trouvé une meilleure place parce que j'avais permis B. Et avec permis B, je peux trouver un travail mieux. Quand t'es arrivé les premiers jours, c'était quoi le plus grand choc culturel? C'était quoi la plus grande différence avec... La plus grande différence, qu'on ne parlait pas le français. Et chercher dans le magasin le pain, on faisait comme ça. comme ça. Je veux ça. Ouais. Et puis... Donc pour signer manger, la main canard, manger. Mais on a trouvé le stress. Parce qu'ici, quand tu te lèves le matin, tu dois travailler toute la journée jusqu'à le soir. Il y a un stress parce que tu dois être au niveau de top niveau pour travailler. Mmh. Ça te donne le stress. Donc au Kosovo, le stress n'existe pas? Non, pas pour tout le monde. No stress. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ok, là, je vais retourner au Kosovo? Non, c'est trop tard parce que mes enfants, ils sont nés en Suisse. J'ai tous mes copains, tout ici. J'ai le passeport suisse, mes enfants aussi. Voilà, on est là. Ce que on est là signifie. Si vous pouviez tout refaire, vous auriez changé quelque chose, ce serait la même chose? Peut-être je faisais l'école ici, je parlais mieux français, et j'ai choisi le travail que je voulais. Kadri, pour vous aujourd'hui, Granit il est suisse ou il est kosovar? Granit est peut-être plus suisse que moi, parce que lui il a fait l'école ici, il est entouré avec les gens vraiment qui parlent bien, qui étudient le français, français, et puis à cause de ça, lui il a priorité côté suisse plus que moi. Que moi j'ai le passeport, je suis suisse. Quiz final, t'as 30 secondes pour faire un maximum de bonnes réponses. T'as 3 choix de réponses, frérot, Kosovo, Suisse ou les deux. T'es prêt? Yes, go! Quel est le plus grand pays? Kosovo. Qui a les meilleurs conducteurs? Suisse. Qui a les meilleurs alcools? Kosovo. Qui a la meilleure nourriture? Kosovo. Qui a du rouge sur son drapeau? Les deux. Stop.
Mais j'ai dit Kosovo au début. J'étais sûr que t'allais te tromper, c'est pour ça que j'ai mis cette question. C'est marrant, ça me fait marrer moi. Qui a la plus belle langue? Les deux. Qui a les plus belles femmes? Kosovo. Tu te sens quoi toi? Suisse d'origine kosovare. Si je te dis Shakiri? Suisse. Si je te dis Pita? Stop. Cousin, 8 bonnes réponses. T'as 10 secondes pour nous faire ton petit mot de fin. Alors, merci à tout le monde, merci de représenter toutes les communautés de Suisse. Soyez tous fiers d'être Suisses et d'avoir 2-3 autres cultures à côté. Et voilà, c'est ce qui fait notre richesse, c'est ce qui fait notre force. Merci beaucoup Granit pour la journée. Si je dois retenir 4 points aujourd'hui, c'est forcément que je comprends pas pourquoi il n'y a pas encore d'Albanie en Formule 1. Pourtant, ils adorent ça. Grand respect à l'ancien, même si j'ai pas tout compris avec son histoire de sable. Que d'entendre un gars parler albanais, ça ressemble quand même beaucoup à un anglais sous alcool. Et que peu importe, Albanie du Kosovo, Albanais d'Albanie ou Albanais de Macédoine, ça reste quand même très stylé de pouvoir faire un aigle avec ses mains. Si vous voulez soutenir les capitaines, rien de plus simple, partagez sur Facebook, likez sur YouTube. Et nous, on se voit la semaine prochaine, la famille, pour un nouvel épisode. Détenez-moi, cousin.